je fabrique des instruments de musique ancienne, musique médiévale, donc la famille des sistres, spécifiquement le sistre traditionnel corse, Cacce, etc. Et puis toute cette grande famille des sistres européens. Des instruments médiévaux aussi, à cordes passées et cordes frottées, guiterne, citole, vielle à archet, psalterion. Voilà, donc c'est ma spécialité et mes instruments de prédilection. Alors là, je suis sur une guiterne, d'après la peinture qui est sur le meuble liturgique de la cathédrale de Helm. Donc c'est une guiterne 4 cœurs. C'est un instrument monoxyde, c'est-à-dire taillé dans la masse. Là, c'est un bloc de cerisier dans lequel j'ai tourné et puis après creusé la caisse et la forme de la guiterne. Il y a une tête sculptée qui est inspirée de la peinture sur laquelle est représentée cette guiterne. Et donc après, il y a une table d'harmonie en épicéa avec des petites incrustations. Il y a quatre petits cabochons, en plus des deux rosaces. Et donc ces petits cabochons, ils sont en trois bois différents, trois couleurs. Donc il y a de l'érable, du jujubier pour le bois rouge, de l'érable pour le bois blanc, et de l'ébène pour ce qui était peint en noir. Il y en a donc quatre. Il y a une petite différence, c'est un a un centre blanc, et, enfin deux ont un centre blanc et deux ont un centre noir. Alors c'est une commande qui m'a été faite par le CIM, pour Brice Duzy, qui commence une résidence au mois de novembre. Et on s'était rencontrés l'année dernière à Saint-Guilhem, lors du premier salon de lutherie organisé par le CIM. Et donc voilà, Brice était intéressé par cet instrument depuis quelques temps, et il a essayé une guitare que j'avais exposée. Et donc là, on est parti sur un modèle de la région de Montpellier pour être voilà, plus en adéquation avec ce qui se fait. Et puis surtout, c'est intéressant de travailler sur d'autres supports iconographiques.
pas mal, hein. Un peu plus de poids. La sculpture, c'est autre chose qui n'est pas le domaine d'Hugo. Je pense que techniquement, il pourrait le faire, mais ça lui demanderait peut-être trop de temps. Je ne sais pas. En fait, ça fait très longtemps, depuis ses premiers instruments, que les figures sculptées, quand il y en a sur ces instruments, il me demande de les faire. C'est à partir de ça qu'on va essayer de trouver comment le peintre qui a transposé, en vérité, donc, nous permet de retourner à quelque chose qui est un instrument qui va jouer. Alors, d'abord, il faut qu'Hugo réfléchisse à la courbure de l'endroit où les chevilles vont être placées. À partir de cette forme et la manière dont elle s'accroche sur le manche, et il fait un dessin. Et sur ce dessin, moi, je greffe la figure qui est une quelque sorte une traduction
de ce que je vois sur cette image, c'est-à-dire une sorte de monstre avec une crinière qui a un peu un museau de chien, mais qui n'a pas l'air méchant, qu'il faut montrer parce que c'est tout à fait différent de l'ordinaire. Et c'est, le monstre a cette vertu d'exciter l'imagination. Je ne veux pas faire un faux. J'essaye de faire quelque chose qui soit vrai. De même que Hugo essaye de faire des instruments qui font de la musique, et pas simplement, ce ne sont pas des images d'instruments, ce sont des vrais instruments. Moi, j'essaye de faire quelque chose qui soit une vraie sculpture. Ce type de marqueterie est souvent représenté sur les instruments médiévaux. Et effectivement, moi, il y a une guiterne que je reproduis souvent, qui est la guiterne d'après la fresque de Simone et Martine de la cathédrale d'Assise. Et c'est aussi un instrument qui est marqueté sur un tableau en bois. Et celle-ci, donc, en plus des quatre cabochons, des deux rosaces, elle a un filet qui prend le contour de la table d'harmonie en pistagne, en alternance noir et blanc. C'est l'heure. C'est l'heure.
Écoute. Je reconnais ce que j'ai vu, l'image que j'en ai vue. Je reconnais l'aspect de l'instrument. On avait vraiment bien rendu tout ce qui a l'aspect esthétique, sur le rosace, tout ce qui est la marqueterie. Elle est extrêmement légère, disons, superbe. J'aime ça. Très ergonomique. Ah, la légèreté, c'est magnifique, vraiment. Ça fait envie. Assieds-toi, chambré. Donc, accordé boyau, c'est ça? Accordé boyau, une tonalité de mi. Ouais. La première chose que j'entends, c'est que l'instrument est très 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 chaud au niveau de sa sonorité. J'aime beaucoup ce cœur à l'octave. J'aime cet équilibre. Sur les attaques. Alors je ne connais pas bien tous ces instruments-là, mais je vois qu'au niveau des tensions, on est sur quand même quelque chose de plutôt tendu. Hein. 4,5 kg par corde, ouais. Selon le calibre du boyau qui n'est pas toujours entre ce que donne le calcul et la réalité bien du sûr. Boyau à quelques dixièmes près, mais en gros c'est ça, c'est une moyenne assez régulière de 4,5 kg par corde. L'instrument que je cherche, par rapport au répertoire que j'étudie et que je vais mettre en pratique avec l'ensemble La Douce Semblance, donc un répertoire de monodies du XIVe siècle, donc en langue française, c'est le roman de Fauvel, c'est Guillaume de Machaut, c'est Jean d'Escurel. Et vraiment, cet instrument me plaît dans sa première approche, parce qu'il a une esthétique, il donne une esthétique sonore qui n'est pas celle que j'ai eu l'habitude d'entendre sur ce genre d'instrument, et qui va dans le sens de ce que je recherche réellement pour travailler ces répertoires. Bonne chose. Ouais, chance. Oui. Après, c'est l'instrument est vert, il va encore s'ouvrir, mais c'est sûr que voilà, on a déjà l'esthétique sonore, la palette sonore d'un instrument sera celle-ci. Alors, c'est pas moi effectivement qui serait amené à l'utiliser, à le jouer. C'est un musicien qui est spécialiste d'instruments des plectres pour ces musiques-là, et je crois qu'il sera agréablement surpris. Et qu'il y aura vraiment un vrai travail à fournir avec cet instrument-ci. Vraiment, vraiment. Ouais.
propos des choix que tu as dû faire par rapport à la demande du CIM pour réaliser cet instrument-ci, à savoir de s'inspirer de l'instrument qui se trouve sur le coffre, c'est cela, de Helm. C'est sur l'armoire liturgique, sur la cathédrale de Helm. Oui. Ouais. Où l'on voit sculpter dessiner plutôt deux instruments, dont cette guitare, mais je crois que tu as dû faire des choix. C'est vrai que quand j'ai reçu cette image, la première chose qui m'a sauté à l'œil, c'est la ligne de cette guitare. Ouais. C'était très nettement une guitare, par contre, une ligne inhabituelle pour une guitare de cette époque-là. Et c'est en voyant le panneau complet, avec les autres instruments représentés, mmh. et moi ça m'intéressait, donc c'était, je peux faire la comparaison entre le luth et la guitare, oui. et c'était exactement la même ligne pour le luth et pour la guitare, sauf pour le chevillé, sauf le chevillé oui. caractéristique pour le luth et pour la guitare, et la guitare, un pont, les cordes qui viennent s'accrocher en bas de caisse, et le luth, je vais les coller, donc ça ne faisait pas de doute de différenciation entre le luth et la guitare. Mmh. Pour le reste, c'était la même ligne, c'est-à-dire une ligne rompue au niveau de la jonction caisse-manche, ouais. qui est tout à fait normale pour un luth. Ouais. Et encore que les luths médiévaux, souvent... ont des formes assez piriformes, c'est vrai. C'est une ligne assez piriforme. Mais effectivement, ça... Par contre, pour la guitare, moi, parmi toutes les représentations de guitare que j'ai eues, c'est la première fois que je vois une guitare représentée comme ça, avec une rupture de ligne... entre oui, qui a cette forme-ci. Voilà. Et c'est vrai qu'une forme très... Alors, assez proche de la mandore, qui en découle, oui. beaucoup plus tardif. D'accord. Donc, et les décorations sont semblables aussi. On voit que le peintre a voulu garder cette... ce parallèle entre les deux instruments. Entre les deux instruments, c'est ça. Voilà. Une espèce peut-être une espèce d'homogénéité. Ce choix en accord commun. Oui. a été de garder, en tout cas, tout ce qui est au niveau décoration, au niveau pistagne, au niveau que les petits cabochons, les rosaces, la tête sculptée. Voilà. Mais après, d'aller plus, je dirais peut-être, dans la forme d'une guitare de cette époque. De restituer effectivement plus les caractéristiques de la guitare. De l'instrument, ouais. que de suivre le dessin... la ligne précise de la peinture. Parce que clairement, la guitare, pour donc une guitare au XIVe siècle, telle qu'elle est représentée, telle qu'elle existe, c'est un instrument en fait, qui est comme celui-ci, qui est monoxyle dans ses caractéristiques. Monoxyle, oui, tout à fait. Alors d'accord. ça, sur la peinture, ça pourrait être un instrument monoxyle aussi, même avec une ligne rompue. Hein, d'accord. C'est peut-être un peu moins logique. Au niveau de la sculpture, mais pas impossible à réaliser. Vas-y, essaye. Hein, ouais. Bien évidemment, comme tous ces instruments de cette époque-là, l'instrument est monoxyle. Permet une méthode de construction plus rapide parce qu'on taille dans un bloc de bois et surtout plus simple au niveau de montage, collage, ajustage, mise à l'épaisseur de différentes pièces de bois.
Donc jusqu'au pratiquement 15e et même jusqu'au 16e siècle, on voit encore des instruments construits de manière monoxyde. Ça a une incidence sur le timbre de l'instrument, parce que les pièces de bois, les parties ne résonnent pas de la même manière si on a une pièce cintrée ou une pièce sculptée dans la masse. Mais voilà, ça donne une particularité à ces instruments qui est caractéristique. Et surtout, on respecte la manière de travailler et de construction de l'époque. Donc sur la guiterne, il y a, après comptage, 11 essences de bois. Donc le corps, toute la structure monoxyde est en tilleul. Alors un bois très tendre à sculpter, très homogène, et qui a aussi des qualités acoustiques et esthétiques aussi. Là, c'est un beau bloc de tilleul, une quinzaine d'années de séchage. La table d'harmonie est en épicéa, qui est vraiment un des bois de résonance par excellence. Les quatre cabochons qu'il y a sur la table sont... deux sont en jujubier et ébène. Et les deux qui sont au niveau du chevalet sont en érable, jujubier et ébène. La touche est en sorbier. Les chevilles et les boutons et le sillet sont en buis, qui est un bois dur, donc qui permet de bien résister à la rotation et au frottement. Après, il y a donc des pistagnes qui font le tour de la caisse. Là, c'est une alternance de sorbier et de genévrier. Et ça, c'est uniquement pour les teintes de la couleur, donc sorbier, bois sombre, genévrier, bois clair. La rosa, c'est en poirier. C'est un bois aussi homogène et qui permet de faire des découpes fines. Et il y a le bouton d'attache-courroie qui est en bois local, retrouvé au bord de l'Hérault, dont on ne sait pas quelle essence c'est. Voilà. Mais c'est, en tout cas, c'est un très beau bois, bien dur, bien maillé. Et on a fait un petit accessoire aussi qui est le tourne-à-gauche dans cette même essence qui permet donc d'avoir une meilleure prise en main des chevilles. Donc voilà, au total, 11 bois différents. Donc comme ça, et je passe là direct ou je repasse, non, je repasse dessous ? Non, tu repasses dessous et là tu passes là dans ce que tu tiens entre le pouce et ton index. Voilà. Ah, de l'autre côté. Tu passes là. Voilà. Okay. Ok, après tu tiens ça et tu tires cela. À un moment, la corde passe par-dessus l'autre et hop, ça met les deux fils parallèles. La guiterne est un instrument à cordes boyaux. Des cordes avec 2, 3, voire 4 brins de boyaux qui sont après dessalage et rinçage du boyau. Et c'est les différents brins de boyaux qui sont tortillés entre eux de manière à avoir différents calibres de cordes et de frettes. Une fois que les cordes sont vrillées, tortillées, on les laisse bien sécher. Un léger coup de dégrenage pour enlever les petites imperfections, les petites membranes qui peuvent sortir du boyau. Après, huiler à l'huile de lin, quelques temps de séchage aussi assez rapide, et elles peuvent être directement utilisées. Tu repasses.